16h08 sur l'antenne de Radio J, de retour. Merci d'être avec nous, avec mon invité aujourd'hui, Jonathan Lehmann, auteur du journal intime d'un voyageur chamanique. On est toujours ensemble, Jonathan. Vous avez été très tranquille pendant ce journal de l'information, très sage. Je vous ai observé attentivement. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous encore pour la suite de cette émission. Et vous le savez, maintenant on va passer à une séquence qui s'appelle la séquence Tac au Tac. C'est pas la plus facile, c'est des questions rapides avec des réponses courtes en 2-3 mots. On peut tenter ça ? Tentons. Allez, tentons. Alors on y va. Jonathan Lehmann, la recette de l'amour, c'est ? L'écoute. La personne que vous aimez le plus au monde ? Ma femme, Jeanne. Si vous aviez un super pouvoir, ce serait ? Voyager dans le temps. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire ? Tu as de l'écoute. Alors je vous parle, vous ressentez quelle émotion ? De l'excitation. La plus belle qualité humaine pour vous ? L'empathie. Jonathan Lehmann, quels sont vos trois grands kiffs du moment ? Passer du temps avec ma femme qui est enceinte et voir son ventre grossir, lire des livres qui m'apprennent beaucoup de choses. Je lis un livre sur les primates en ce moment qui nous apprend sur la nature humaine. J'adore. Et puis manger des fruits délicieux. Votre mot préféré ? Franchement. Votre surnom ? J'en ai plein, c'est Toto. Ma mère et ma sœur, elles m'appellent Toto. Toto, très joli. Il y a aussi Joe. Votre philosophie de vie, c'est ? Essayer d'être humble, de progresser pour apprendre à mieux aimer. Allez, tout de suite, votre dernière question, votre prochain rêve à accomplir, Jonathan Lehmann ? Devenir papa. Oh, très joli. Notre émission continue tout de suite, bien entendu, sur Radio J.